Bon, Jean-Michel, faut qu'on parle boulot un peu là. Non, parce que t'as rien foutu ces derniers jours. Bah, on est grave en retard sur les vidéos là, sur YouTube quand même. Hein. On a beaucoup de lives à poster quoi. Bah, un peu, ouais. Bah, du coup, je pense aujourd'hui on va travailler un peu. Hein. Ah, va falloir bosser, gars. Ah, bah, ouais, tu branles rien depuis 2 jours, va falloir bosser quoi. Oh, pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, c'est globalement une journée assez calme, on a quand même deux nouveaux véhicules intéressants, on va vérifier tout ça. Donc pour commencer, la Renault 5 Turbo 1980, qui est en stock limité à 154 500 crédits, c'est le dernier jour pour la prendre avant la rupture de stock. C'est un véhicule que je vous conseille de prendre puisqu'il est impossible de l'avoir autrement. L'Alfa Romeo Mito 2009 est en stock limité à 24 400 crédits, cette voiture vous pouvez la gagner dans le GT Café numéro 23, vous pouvez également l'acheter neuve pour 28 500 crédits. La Volkswagen 1200 de 1966 n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. Nouveau véhicule du jour, la Clio V6 24V 2000 à 89 600 crédits, qui est un véhicule à prendre, il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion. La Porsche 911 Turbo 930 1981 est en stock limité pour le deuxième jour consécutif. C'est disponible à 217 900 crédits. Si jamais vous en avez besoin, après avoir remporté celle du GT Café numéro 31, c'est donc le dernier jour pour l'acheter. La Mazda RX-7 GTX FC 1990 vient d'arriver en stock à 57 100 crédits. C'est un véhicule qui est à prendre si vous ne l'avez pas encore. C'est avec la Renault Clio, donc les deux véhicules du jour. Il n'y en aura pas d'autres nouveaux aujourd'hui. La Lamborghini Countach 25e anniversaire 1988 en stock limité à 692 400 crédits. Elle vient de passer en stock limité aujourd'hui. Un véhicule qui part toujours très très vite puisque cette voiture est arrivée en stock le 28 septembre. L'Audi R8 4 litres de 2007 est en stock limité à 143 600 crédits, c'est le dernier jour pour la prendre à ce prix-là. Mais vous pouvez l'acheter neuve pour 166 700 crédits. La Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex Shigeno version en stock limité à 104 300 crédits. Un véhicule que je vous conseille de prendre, c'est le dernier jour avant la rupture de stock. La Chevrolet Corvette ZR1 C6 2009 n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. On va passer du côté des légendes, il n'y a pas de nouveau véhicule mais il y a pas mal d'évolutions de stock. La Shelby GT 350 1965 vient de passer en stock limité à 501 000 crédits. Il va vous rester 2 jours pour l'acheter. La Porsche 356A 1500 GS Carrera 1956 615 000 crédits. Dernier jour pour la prendre puisque cette voiture est en stock limité depuis hier. Et la Mazda RX 500 1970 à 600 000 crédits est exactement dans le même cas. Elle va disparaître dès ce soir. Donc si jamais vous en avez besoin et que vous pouvez vous le permettre, il va falloir l'acheter dès aujourd'hui. Et il n'y a rien d'autre de nouveau. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens!